Que depuis la nuit des temps, eh bien, on s'est efforcé par les croisements, par des origines très complexes, d'améliorer le chien de meute, le chien de chasse à coups. Hein, ce sont des chiens qui chassent évidemment uniquement avec leur odorat. À ne pas confondre avec les lévriers qui sont des chiens qui chassent à vue et qui chassent sur un espace de temps extrêmement court. Un lévrier peut prendre un lièvre à la course en 2-3 minutes maximum. Un chien est capable de forcer un lièvre ou un chevreuil en 3-4 heures. Alors il y a eu un grand veneur, M. de Roal, pour ne pas le nommer, mais il avait raconté que chez M. de Falandre, qui était un veneur exceptionnel dans son temps, un jeune veneur avait monté une meute comme ça, il désespérait de prendre un animal, il n'arrivait pas à prendre. Les chiens chassaient bien 2 heures, puis alors au bout de 2 heures, c'était la débandade, les chiens fatigués, et ça s'arrêtait là. Alors il a été prendre des cours, il a été voir ce monsieur, et puis monsieur de Falandre lui a montré son chenil, lui a montré ses installations, lui a montré la façon dont il élevait ses chiens, la façon dont il les nourrissait, les vaccins, etc. Tout ce qu'il faisait pour rendre son équipage efficace, il marchait très très bien. Mais l'autre ne trouvait toujours pas la solution. Alors exaspéré, à la fin, il a commencé par lui poser une question terrible. Il lui a dit, mais monsieur, enfin pour prendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la réponse a été terrible. Pour prendre, monsieur, c'est fort simple. Il faut d'abord prendre. C'est quand même pas une solution facile. Mais c'est vrai que ça n'est que par la curée, les chiens qui sont mis en curée et qui ont compris comment ils allaient prendre leur animal, qu'on arrive à les forcer. Tout à l'heure, une petite histoire pour vous montrer ce que c'est qu'un vrai chien de change. Fantine, chienne exceptionnelle, de change. Elle était sûre comme tout. Et voilà qu'un jour, cette chienne commence... elle avait disparu. L'équipage était dans la panade, c'était le défaut complet. Hubert a laissé chien derrière lui. Le marquis de Roal commençait à bougonner. Puis finalement, ils se sont dit, mais Fantine n'est pas là. Alors on apprend que Fantine, elle était partie au bout de la forêt. Elle débuchait depuis les bois de verre en direction d'Otis dans un petit bouc d'eau qui devait faire la superficie du château royal ici. Et le picu, finalement, va s'y rendre pour voir ce que faisait la chienne. Alors, il a aperçu la chienne qui sortait en plaine, comme ça, puis elle est rentrée dans ce bouc d'eau, en sort un cerf, qui rentre en forêt, qui ressemblait drôlement au cerf de chasse. La chienne recule aussi, fait 100 mètres sur la voie du cerf, n'en veut pas, retourne dans le bouc d'eau. Elle en sort un deuxième, même, quatrième tête, même genre. Elle n'en veut pas non plus. Elle en a sorti 5. Le cinquième était le bon, et elle l'emmenait à l'étang de l'épine où elle lui a fait prendre le bouillon, elle a pris son cerf tout seul. Et le maître d'équipage avait trouvé la prouesse tellement extraordinaire qu'à la curée, vous savez, il y a toujours les honneurs du pied, on offre le pied à une personne qu'on veut particulièrement honorer. Bien ce jour-là, le marquis de Roal, il a pris le pied et il l'a mis au collier de sa chienne pour reconnaître évidemment ses qualités. Alors cette pauvre chienne, elle a eu un petit défaut, c'est qu'elle était comme gladiateur. Vous savez, le fameux cheval du comte de Lagrange qui avait remporté le derby d'Epsom, vous savez, il a sa statue à Longchamp. Ce cheval extraordinaire. Eh bien, ce cheval, au stud, il n'a jamais rien donné. Souvent, les grands craques ne sont pas de grands géniteurs. Eh bien, Fantine, ça a été la même chose. On a eu beau la croiser et lui donner les meilleurs étalons de l'équipage, jamais elle n'a donné un chien digne d'elle. Hein? Ça fait partie des mystères d'élevage. C'était une déception, mais en tous les cas, la chienne était tout à fait prodigieuse. Elle était une sorte d'aboutissement, si vous voulez, dans la qualité. Elle concentrait à peu près toutes les qualités qu'un bon chien de meute doit avoir. Des Fantines, il y en a, on va dire 2-3 tous les 50 ans. Pas plus, hein, c'est quand même un peu exceptionnel, évidemment. Une chasse que nous avions fait à côté de Brégy, dans le département de l'Oise, on chassait sur une grande ligne de chemin de fer et on avait lancé un lapin qui a fait une chasse d'une heure, qui est une jolie chasse. Et puis ce lapin a fait une grande boucle et il est revenu à son attaque. On l'avait attaqué dans une garenne avec un furet, on l'avait sorti, on avait réussi à le chasser. Le lapin avait pris beaucoup d'avance et il avait fait une chose assez rare, c'est qu'au lieu de rentrer par la partie forestière, il était rentré par la partie plaine, à travers les labours, ce qui est assez rare pour un lapin. Il était remonté jusqu'en haut et évidemment la voie était très très difficile. On arrive à l'endroit où on l'avait perdu, on a pensé qu'il était rentré dans le trou, on l'avait attaqué. On a mis le furet une fois, deux fois, trois fois, on a regardé s'il avait des boulettes de poils après ses griffes, rien du tout. On s'est dit, il a continué son chemin, il n'a plus du tout d'odeur et il a fait les grandes vents. On a fait les grandes vents, rien du tout. Les arrières, rien du tout. Puis alors, à l'endroit de la garenne, il y avait 3 arbres qui montaient comme ça, qui étaient serrés les uns contre les autres. Ils étaient serrés les uns contre les autres jusqu'à 1,50 m. Et puis après, ils partaient comme ça jusqu'à 6-7 mètres de haut, et notamment au niveau de l'un d'entre eux qui était couvert de lierre jusqu'en haut. Alors avec mon ami Vincent, qui m'accompagnait à la chasse ce jour-là, on avait 14 chiens à la chasse, on a commencé à regarder dans le trou pour se dire si le lapin n'avait pas sauté, s'était pas mis dans la fourche, si vous voulez. Il n'y avait rien du tout. Et puis une de nos bonnes chiennes, qui s'appelle Utopie, elle est dans la cage là à côté,
Eh bien, cette bonne chaîne a commencé à inventer l'arbre couvert de lierre. Alors on l'a regardé faire, puis toute la meute a commencé à s'intéresser, elle était très fine de nez, a commencé à regarder en l'air, à s'appuyer sur le tronc, à regarder. Nous on a regardé aussi, on dit mais qu'est-ce que c'est que ce bide. Et à 5-6 mètres de haut, on a aperçu le lierre qui commençait à gigoter, qui frissonnait comme ça. Et on a vu un truc qui a sauté dans le vide au milieu de la meute qui était en contrebas. On s'est dit mais un écureuil, seulement un écureuil au mois de novembre, ça colle pas. C'était notre lapin qui était monté en haut. Il a sauté dans le vide, il a fait le manchon, il est reparti comme un boulet de canon. Vous imaginez la meute hurlant sur un relancé spectaculaire comme celui-là. Il a fait 500 mètres, on l'a perdu, on ne l'a jamais retrouvé. Alors je peux vous dire qu'on lui a sonné les honneurs parce qu'on avait trouvé que ce lapin, il avait été particulièrement brillant. Ce moment, j'étais très heureux parce que je me suis dit que de toutes les ruses que j'avais pu envisager sur un lapin, ça, celle-là, j'y avais vraiment pas pensé.